conseils arcturiens, de meilleures façons de travailler avec les énergies 5D. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir atteindre un si grand nombre d'entre vous sur Terre en ce moment, car nous savons qu'il s'agit d'une voie à double sens. Nous recevons beaucoup de ceux d'entre vous qui se connectent à nous et nous sommes à jamais reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous connecter. Nous considérons que vous êtes tous remplis d'un immense potentiel et en nous efforçant de vous aider à exploiter ce potentiel, nous comprenons également mieux comment exploiter le nôtre. Nous ne sommes pas une œuvre d'art achevée, flottant quelque part dans le ciel, mais plutôt des travaux en cours, tout comme vous. Nous voulons nous améliorer et devenir davantage ce que nous sommes vraiment en tant qu'êtres d'énergie source. Et nous devons beaucoup à l'humanité pour nous avoir donné l'occasion d'explorer vos voyages avec vous. Lorsque vous répondez à nous, à nos énergies et à nos transmissions, nous comprenons mieux ce qui fonctionne et nous pouvons retourner ces stratégies contre nous-mêmes. Maintenant, alors que vous allez de l'avant et que vous devenez les leaders de l'humanité que vous êtes très certainement, nous voulons vous suggérer de vous considérer comme ayant tant à donner en raison de tout ce que vous avez appris par la pratique. Vous avez tous appris de meilleures façons de travailler avec les énergies parce que vous avez été vos propres sujets d'expérimentation. Vous avez connu des succès et des échecs au cours de vos voyages, mais vous avez toujours rebondi et vous êtes toujours retombé sur vos pieds. Vous continuez à monter en flèche dans votre ascension et grâce à tout cela, vous avez tellement plus à donner à vos frères humains. Et lorsque vous leur donnez tout ce que vous avez, vous devenez également plus à même de gérer vos propres émotions, vos pensées et toutes les énergies avec lesquelles vous jouez à ce moment-là. En rendant service, vous grandissez et vous vous développez. Vous recevez toujours plus que ce que vous donnez et vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre contribution et vous avez ce sentiment d'accomplissement que vous ne pouvez obtenir qu'en aidant les autres de la même manière que vous avez été aidé par nous et par d'autres aidants. Nous nous aidons tous les uns les autres à redevenir l'unique, l'un auquel nous faisons référence et, bien sûr, la source. Et c'est la même destination pour tous, où qu'ils en soient dans leur voyage. Vous devenez de véritables maîtres et nous nous sentons privilégiés de participer à votre ascension. Une ascension qui ne pourrait avoir lieu sans aide, mais que vous avez le mérite d'avoir pu mener à bien. C'est un long voyage et il a toujours été prévu qu'il le soit parce que nous retirons tous beaucoup plus de ce long voyage que si vous vous rendiez directement là où vous voulez aller maintenant. C'est une chose à laquelle il faudra penser la prochaine fois que vous serez frustré par l'humanité et par la lenteur avec laquelle vous accédez à la cinquième dimension. Nous sommes le conseil des Arcturiens et nous avons apprécié d'être en contact avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.